Et salut tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode sur Dragon Quest 4, l'épopée des élus. Ça fait très longtemps, oui j'avais dit que j'allais XP mais j'avais un peu la flemme, vous avouez. Mais bon, c'est bon, cette fois je suis prêt, je suis stuff, je suis pas soigné parce que je joue de terme d'XP. Du coup j'ai acheté le fleu des dragons, j'ai équipé de la police Alina que je me fous du jeu à sort d'ailleurs. Kirill est beaucoup mieux stuff et surtout Boria. Bon, il a obtenu le casque de Kirill et le manteau d'esquive. En vrai, je pourrais peut-être pas acheter un petit bouclier de cœur pour Boria, c'est pas déconnant. Qu'est-ce qu'on a appris la dernière fois? Ah oui, alors la dernière fois, on avait appris que Ragnar se trouvait sur le continent, là où on vient de se TP, affronter le Lord Lionel qui, je le rappelle, a pris le contrôle du royaume et a un lien avec la mort du père de Mina et Maya. Je cherche où était la boutique. Et donc du coup il va falloir y aller, mais avant j'ai bref fait une quête qui est importante parce que le guide. Ah y'a pas. Chanteur, chanteur, on va avoir du bouclier d'écaille. Petit bouclier d'écaille là pour le. Pour le petit Borian. Qui sont là. Les armes, code de main. Bouclier d'écaille et Borian plus équipé, parfait. Et si je dis pas de conneries, c'est le meilleur bouclier que Borian peut avoir. Sans déconner. Vraiment. La téléportation, on va aller du coup à. Non, on va pas aller à Tifortu, on va aller à Canalot. Pour faire la quête que j'ai envie de faire pour le moment. Et il faut qu'on. Bah, déjà qu'on visite la ville, parce que je l'ai pas visité. Je suis arrivé, je sauvegardais. Alors, disons, il se passe quelque chose avec le roi Larfour. On va aller voir ça, mais avant. Explorons tranquillement. Il y a un trésor ici, mais il est là. Voilà, ok. J'ai. Attends, 11 ans. Or transporté, 11. Ah non, ça c'est ce que j'ai. Une médaille, j'en ai 7. Ok. C'est pas beaucoup, 7. Hop, nous voici ici. Bonne de France. Alors j'ai raison de penser que vous êtes là pour répondre à l'appel lancé par le roi Larfour. Oui, alors c'est quoi l'appel du coup? La première récompense substantielle à celui ou celle qui parviendra à déclencher son hilarité. D'accord, donc visiblement monsieur a envie de rigoler. Je vois pas pourquoi il n'appelle pas des comédiens. Alors, il y a quoi? 3 trésors, ok. Il y a rien. Oh, ah, mini médaille, oui. Il m'en faudrait au moins 15. Pour Lina, tu vois. Alina, elle a monté de niveau, elle a fait plus 6. Plus 6, plus 6. Franchement, elle a envie de tabasser. De magie, ok, ok, sympa, sympa. Ah merde. C'est le même placard. Une aile de chimère, bien sûr. Il n'y a plus rien. Eh ben, allons voir le roi. Visiblement, il veut rigoler. On veut sortir sa meilleure blague. Bon, c'est parti. Ah oui, ça faut faire le coup. Je sais bien ce que tu as raconté, mais là, avant de me présenter devant Sa Majesté. C'est dommage que je clique à me lire. Ouais. Il y a 3 types de personnes, ceux qui savent compter et ceux qui ne savent pas. Vous pouvez me laisser passer sans vous. Ok. Bon. En attendant. Ah non, il y a rien. Tu veux lutte avec toi. Je sais que le père doit avoir ses raisons, mais tout de même.
Je me demande ce qui s'est passé par la tête quand le roi Larfour a lancé cet étrange appel. Je comprends pourquoi la princesse fait du mauvais sang. Bah écoute, il veut rigoler, il veut rigoler. Comment ça sent en paix de clown? Ça sent drôle. Ok. Même pas se voir. Bon, je vais revoir ma copie. Alors. Ouais, c'est vrai que c'était pas ouf ta blague. Qu'est-ce qu'il y a? Qui va se mouiller? Un chou marin. Ah, mais je crois que c'est tombé. D'accord, d'accord. Non, mais arrêtez. Regardez le pro. Regardez comment on va faire. Bien, ne vous appelez Roxa, c'est cela. Eh bien, Roxa. Et donc, vous prenez une sorte de notre appel? Alors, faites mourir. Je vous demande de ne pas nous faire en perdre un temps précieux. Allez, la petite blague. Ah merde, je la dis pas. Ah merde. Bah, au moins, j'ai flop. Mais j'ai pas vraiment flop. Hein. Vous l'avez pas entendu, donc c'est bon. Non, mais en deux questions, je fasse une blague. Même moi, j'ai pas des blagues drôles. On va les petits fortunes, du coup. J'ai un pic sur le Discord, ça c'est vivé. On est en train de m'engueuler parce que je joue Bina au lieu de Kirill. Je joue Kirill si je veux. Surtout que je trouve que Kirill, contrairement à Bina, le fait d'avoir la protection c'est plus important. Parce qu'en vrai, Bina elle a isolation, mais c'est tout. Pourquoi vous voulez que je vienne avec vous? Oui. Alors pourquoi je. Mais attends, comment j'ai su la première fois qu'il fallait le voir lui en fait? Tu vois, le roi de Canalot possède un casque Zenichev dont vous avez besoin pour votre casque. Et vous souhaitez utiliser mon talent pour qu'il vous le donne, c'est bien ça? Pas que vous voulez aller à Zenitia. Non, ne dites rien, je n'ouvre pas le sang. Bon, ça pourrait être amusant d'essayer de dérider votre âme, alors pourquoi pas? Mais attends, mais sans déconner, comment j'ai su la première fois que je devais aller le voir lui? Je crois qu'il y a un PNJ dans le château, il le dit. J'ai entendu un numéro 1, je crois que c'est ça. Et du coup, vu que c'est ancré dans ma mémoire, du coup, à chaque fois, je vais le voir directement de lui, en fait. Du coup, on va se re-TP au Canalot. Je vais avoir besoin de lui dans l'équipe. Hop, voilà, on fait tout ça. Pourquoi Kirill, lui? Je veux pas Kirill, moi. Ah oui, on peut pas lui voler son stuff, malheureusement. Hop, vous avez... Laisse-moi passer. Merci, on y va. Et on se retape les queues, super, putain. Bon. Le problème, c'est qu'en plus, y'a rien d'explorer ici, on attend... Oh, bah tant pis, hein. Par contre, si je parle à un PNJ, le problème, c'est que ça... ça fige le temps. Je peux même pas parler aux soldats, mais vas-y... Ah, bien vu, vous appelez le temps. Ouais. Faites-moi. Allez. Je suis désolé, votre majesté, mais je n'ai rien de drôle à raconter. Je n'ai pas voyagé seul, je suis sûr que ma petite bande fera sourire, même si je n'y arrive pas moi-même. Si vous pouviez leur confier le casque des éditeurs, ce serait magnifique. Nous avons besoin d'un seul monde, et dès qu'ils auront réussi, partout les gens riront à nouveau gorge déployée. Vous parlez comme si vous étiez capable de lire, donc pensez-moi. Et la raison pour laquelle nous avons lancé cette appel était de redonner du beau cœur dessus. Bah déjà, t'as le château le plus flingué de la volée, donc t'es quand même obligé de te déplacer en barque. Ou même en radeau, pour te déplacer. C'est de merde, je suis désolé. Je sens que c'est mieux pour un moment, en faisant venir des commis dans notre royaume. Et nous avons été vains jusqu'à présent. Nous n'avons pas réussi à rendre le sourire à nos sujets d'espoir. En même temps, c'est un peu coincé au niveau blague, hein. C'est pas ouf aussi.
distinguons désormais la voix. Nous remettons à vous et aidez-nous à rendre le sujet. Oh, c'est génial, et du coup, j'ai le casque Zenith. Casque que j'ai sur le sprite de mon perso depuis le début de l'aventure. Petit détail, voilà. Ah, super, grâce à ce casque Zenith, j'ai ressemblé à un poisson. Sans toquer des regards, regardez les ailes. Et regardez le sprite de combat du personnage et osez me dire que c'est pas des oreilles de poisson. Là, c'est parfait, on vient d'y accomplir la mission. Hein. Je pense que je vais reprendre la route, on n'avait plus besoin de moi. Bonne chance, j'espère que tout se passera bien pour vous et vous allez garder toujours le sourire, d'accord? Ça fait trois fois que le mec il a trois dialogues, je lui ai changé trois fois sa voix. Aïe aïe aïe. Du coup, hop, on sort des petits fortunes. Je pense que ce sera juste mon rire. Ah oui, du coup, je... D'accord. En fait, ils sont pourris. Ah, mais vous même dormez. Ça fait du coup une clé. Ah oui, alors non. Tac. Hop. Avec Maya, voilà. Alors, si vous avez Mina ou Maya. Ah, voilà, un visage, je ne sais pas d'oubli, c'est tout. Voilà, et du coup, vu que j'ai une des deux filles. Rappelez-vous, au chapitre 4, on pouvait économiser comme un rat. Et ben. Sachez que dans tous les Dragon Quest, il y a toujours une auberge qui nous permet de nous restaurer gratuitement. Au moins une. Ah oui, du coup, il faut que j'aille là, dans la petite maison. Là. Et on va parler de glaire. Ne me frappez pas, c'est pas un mauvais glaire, je vous le promets. Vous savez, je vais même vous dire quelque chose. Ce n'est pas le seul laboratoire de Monsieur Mahabala. Il y en avait un autre, dans le manga. Et il se trouve dans la caverne à l'ouest, la clé G se trouve là-bas aussi, vous saurez. Voilà. Et du coup, on va retourner dans la grotte qu'on a explorée nous frottons comme au chapitre 4. Et pour ceux qui se posent la question, non, il n'est pas possible d'avoir clé magique dès le chapitre 4. Hop, nous y voilà. Alors, est-ce que les monstres sont forts? Pas du tout. Bah, les monstres sont forts, vu que c'était une grotte de début de jeu. Ah ouais. Je voulais juste farmer de l'argent. J'ai XP comme un porc aussi. En vrai, tant mieux, j'étais un petit peu under level. Je suis niveau 18, ce qui est très très bien pour le boss. C'est là. Le coffre, il est là. Je pense que je vais me taper un petit fight. Non. Voilà, j'inspecte le coffre. Il est... Et voilà, c'était impossible de l'avoir au chapitre 4. Et la clé de voleur, obligatoire. Du coup, on peut pas voir Ragnar avant d'avoir récupéré Alina qui est libre. Parce que c'est eux qui ont la clé de voleur. Alors. J'ai un casque tout pourri. Faut que je fasse un tri dans l'ordre. Bon, rien. Hop, comme ça, si t'as besoin. La beurre et joue, on peut la garder. Graine de magie. Il n'y a pas beaucoup de PhD. 4 points.
pas mal, pas mal. Et la petite clé magique, c'est parfait. Hop, on va sortir. Ah oui, par contre, chose bizarre, je sais pas pourquoi, mais le village, il n'est pas dans leur téléportation. Je comprends pas pourquoi. Une bête sauvage. Voilà, voilà. On a fini en manteau de fourrure. Hop, du coup, direction le château. Je crois que j'ai fait de la merde. Ah bah non, bah non. C'est seulement au chapitre 4 que t'as besoin de faire ça, et du coup, il est là. Le petit Ragnar. Ouh, ce n'est pas un malin dans ton jour qui sera le grand Ragnar Macrag. Et hop. Crac, qu'il est fort. C'est précis, c'est allure, c'est vêtement. C'est ainsi que je vous ai imaginé. La légende disait vrai. Alors Ragnar Macrag, enfin tout le j'ai parcouru le monde entier pour vous rencontrer, Orksa. Nord, sud, est, ouest, je suis allé partout. Bon, j'arrête de plaindre, ce n'est pas le bon. Dans cette pièce se trouve l'un des forces. Ouf, ouf, oula. C'est parce que nous trouvons l'un des monstres maléfiques qui veulent détruire notre monde. Des mots sur cette porte et on lui montre de quoi on est capable, d'accord? Oh, qu'il est badass, Ragnar. Ragnar, c'est Alina en moins rapide, mais avec beaucoup, beaucoup plus de défense. Et t'as comment tu veux? Yo, il n'y a rien à faire ici. Je m'occupe de l'espoir de l'orgueil, là, c'est chiant. Alors toi... Je suis l'orgueil de... Sans le slander, non. Ah, pour tes souverains, c'est tout ça. Bien entendu, détruire votre modeste, la crèche est faible. Or, toi. Ah, alors, média protection, on va taper. Attends, tu peux accélérer, je crois. Attends, sur la base. Heureusement que j'ai de quoi me souvenir. Ah, du bordel. Ah, je ne pas ce que je suis. Pas de sérieux. Oh non, l'XP pour Borgia. Plus 6 de force, eh ben dis donc. Oh, dès que je vais avoir une nouvelle arme pour Alina, ouf. Non, pas aussi, qu'est-ce que ça veut dire? Vous devez être en fou, ce qu'elle est stupide. Vous êtes le héros qui doit remplacer la tête. Un véritable héros aurait déjà tué sans l'extérieur. Oh, qu'est-ce qui se passe? Où suis-je? Je sais pas pourquoi, mais je pensais que je parlais une langue étrangère hybride. Bon. C'est incroyable, ça. Vous êtes vraiment un héros. C'était malheureusement que la première étape de la lutte pour arrêter le mal qui menace notre monde. La bataille n'est pas encore terminée. Je viens avec vous pour empêcher que le monde soit détruit. C'est le minimum que je puisse faire, moi. Et nous avons un nouveau compagnon, le dernier compagnon. Ah là là, ça fait plaisir. Ah, je vous attends dans le champ. Allez, du coup,
Les Morion. Attendez, je réfléchis. J'aimerais le donner à qui, tu vois. Force. Bon, je le prends, c'est bien. C'est tout? Ok. Est-ce que quelqu'un... Non, personne là encore. Ah, j'ai pas le sort rappel pour le moment, tant pis. Où est-ce qu'on va se TP Chantou ou Cassabra? Je crois que Cassabra, ça peut être déconnant. Ah non, je sais. Attendez. Bonjour, je m'appelle Dog et je parcours. Je viens de voir mon ami Ragnar passer. Il avait un grand sourire. Ah là là, sacré Dog, qui est devenu humain. C'est le petit minute blanc, je sens. Oups. Bon, on vient en prier, bon, et après il remercie Ragnar. Et la musique qui change. Parce qu'on a tous les yeux. Sachez que selon qui vous avez dans l'équipe, la musique elle change. Et ça met par exemple Ragnar, ça met son thème qu'il y avait dans le chapitre 1. Aline, Nakir et les Borgia, ils ont leur thème dans le chapitre 2, etc. Ah. Ah. Tu coûtes un peu cher, Borgia. Je suis pauvre. Désolé. Je voulais me TP à un endroit, mais en fait ça sert à rien parce que j'ai oublié qu'il y avait une autre étape avant. Ah oui, niveau 15, D'ailleurs, voilà pourquoi il a ramassé tout de l'XP parce que bah, il est hyper en retard par rapport au jeu, du coup. Enfin, si tu décides de l'XP comme un gros pot, comme moi. Ah, il est pas soumis. Comment ça, il pas soigné, mais... Il s'est battu contre qui? Il s'est battu contre lui-même? Mais qui s'est jamais battu? Il est blessé. À moins qu'il considère que le combat qu'il a fait contre les sbires... Et du coup, il l'a emmené mid-life. Ça c'est incroyable, hein. Parce que généralement, bah, tu sors du combat, bah, tu vas te soigner. Ok, parfait. 23 minutes. Ouais, on attend de faire un petit truc, voilà. Vraiment petit. Une foule. J'ai un peu des abouchis. C'est bon. Port lunel. Parce que je savais même plus où était mon bateau. Je crois qu'il était tout en bas, mon bateau. Je vais faire quelque chose qui, et pour le coup, il me semble c'est annexe. Alors attends. Je sais plus c'est où exactement. Ah putain, c'est où? Tant pis, hop, on va mettre la nuit. Super, ça marche pas à l'intérieur du village. Mais elle sert à rien la lampe de ténèbres, elle marche jamais. Ah, c'est parce que. Ok, il considère que c'était la nuit, d'accord. Ok, alors. Attendez, faut que j'arrive au puits. Le puits. Putain, c'était le puits, le poumon. Le puits là.
C'est rien. C'est là, non? Allez, il est où? Évidemment, on a été des malements jamais. Oh, faut que j'aille dehors. Un tout petit peu dans la plage. Et du coup, vu qu'il y a un mort, comme ça, il n'y a rien. Enfin. Ah. Ça va me servir pour une quête annexe. Tant qu'on est là, explore un peu. Ouais. Petit trésor. Oh, il y avait juste un casque. Oh, il y avait juste un casque tout moisi là. Ouh. Ah oui, ça oui. 5. Pas résil. Je crois que ça va être défense, ça de moi. Ouais, vas-y, on va. Allez, pourquoi pas. Hein. Qu'est-ce que tu vas. Armure de. Ah oui, j'en ai une. C'est vrai, ça. Bon, toi, moi, je sais que ce serait bien d'en avoir une pour Kirill. L'armure de plate, je vais pas l'équiper pour moi, je vais mis Ragnar. Il y a pas mal de spots, le petit Ragnar, d'ailleurs. Hop. Non, je me suis. Graine d'agile. Hop. Oh, plus personne. Curieux. C'est de l'investir aussi en défense. Il n'y a pas de magasin d'armes. Ah. Qu'est-ce que tu fous là? Oh, c'est bon. Il dort. Ah, c'est un magasin. Il passe mon temps en dormant. Ah, donc même. Alors, même la nuit, il n'y a pas de magasin. Pourquoi je fous en fait? Je sais vraiment. On va aller au nord. Alors, pas ce nord-là, voilà. Et on va sauvegarder ici. Je peux dormir ou pas, je peux. 38. 16. Parfait. Voilà. On va s'arrêter là pour cet épisode-là. Ouais, une trentaine de minutes, pas mal. J'espère que cet épisode vous aura plu. La prochaine fois, on va aller à Zadmovka. Hein, c'est pour ça que je suis là, d'ailleurs. Pourquoi on va à Zadmovka? Parce que c'était... Putain, je crois que c'est encore un PG de con qui me dit qu'il faut aller là, hein, mais je suis pas allé. Bon, après... Mais non, en fait, je crois qu'à partir de ce scénario... Je passais mon temps à explorer et du coup, bah, j'avais pas trop allé, donc voilà. Ouais. Bon, c'est pas grave. En tout cas, merci d'avoir regardé. La prochaine fois, on va aller au château de Zadmovka, comme je l'ai dit, et on va aller du coup à l'est.
Vous verrez tout ça en temps et en heure la prochaine fois. Sur ce, portez-vous bien. Ciao, ciao.